On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre. Je viens vous présenter mon Vlogtober numéro 23. C'est bientôt fini, dis donc, il reste une semaine au mois d'octobre. Que le temps passe vite. Il est 9h moins le quart, il commence à faire jour là, donc j'en profite vite vite, parce qu'à 9h15 je dois être au travail. Du coup, ça me laisse une petite demi-heure pour vous faire un petit vlog rapide rapide. Alors je vous présente pas de livre aujourd'hui, du coup j'ai pas le temps en une demi-heure. Je vais juste vous faire mon petit récap tricotesque. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, comme je vous avais dit, tout d'abord, j'ai terminé l'indice du CAL, du MCAL d'Unitech. Alors, vous le trouvez beau ce col? Moi aussi, mais peut-être dans d'autres couleurs. Je sais pas, c'est pas trop mes couleurs. Alors le orange, oui. Mais le bordeaux très foncé, là, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave, je le porterai quand même quand j'aurai froid de toute façon. Donc là, il ne nous reste plus qu'un indice, je crois, hein, normalement. Donc, si c'est bien ce que je pense, on va faire une doublure avec la scierie. On verra. C'est mystère, donc on ne sait pas. Mais depuis le début, je me suis dit qu'une doublure en scierie, ce serait trop bien, quoi. Parce que là, c'est de la fingering, c'est pas assez chaud pour un col. C'est quoi l'intérêt d'un col qui tient pas chaud? Moi, je veux avoir chaud avec mes tricots. Alors, en plus, il est un peu large, je pense. Alors, si je le prends là où j'ai le plus d'aisance, ouais, il sera un poil large pour mon cou, donc il risque de pas coller en fait. Moi, j'aime bien quand ça colle au cou. Donc, une petite doublure, ce serait pas mal, je pense. Et je croise les doigts pour que ce soit une doublure en souris, en scierie, pas en souris, le dernier indice. Voilà, donc j'ai terminé mon interminable répétition de mosaïque. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la mosaïque vous faisait peur, donc je vous ferai une petite vidéo. Comme c'est un patron gratuit, je reprendrai la grille là et comme ça, il n'y aura pas de souci, je vous ferai la vidéo de cette petite grille toute simple. Elle se fait sur 2, 4, 6 rangs. Voilà. Donc, très simple à faire. Mais assez long, je trouve. Enfin, à mon goût. C'était trop du zéro cerveau pour être pris la journée. Et c'était pas assez zéro cerveau parce qu'il faut manipuler deux couleurs, glisser des mailles pour être pris quand il fait nuit. Enfin, quand le soir, quoi. Du coup, c'était un entre-deux et ben, les entre-deux, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Parce que les trucs pas zéro cerveau, ben on est attentif, on veut rien louper, on est limite excité de voir ce qui va arriver. Là, pas du tout, on sait à l'avance. Donc, et puis sur 7 fois 4, non, 7 fois 6, du coup, 42 rangs. Sur 42 rangs, on sait ce qu'on va faire en fait. Du coup, bah bof quoi. Bof, bof, bof. Mais bon, c'est joli. C'est le principal. Il est tricoté. Maintenant, il n'y aura plus qu'à le porter. Voilà. J'adore l'orange. L'orange, j'aime beaucoup. Mais mélangé à du bordeaux, je sais pas. Enfin, pour moi, hein, pour moi. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment. Et les couleurs et les motifs. On verra comment il va tenir. Ce sera la finition déterminante pour savoir si j'aime ou pas. Voilà, donc MCAL que je ne revois plus pendant jusqu'au 1er novembre, je crois. J'ai plus les dates d'Unitech en tête, mais il me semble que c'est que le troisième match commence le 1er novembre ou le 31 octobre, un truc comme ça. Est-ce que j'ai les. Alors.
J'ai pas les. J'ai plus. Je dois les avoir quelque part. Les dates. Sur d'autres patrons, sûrement. Ah, ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est les quantités. Alors, pour le mono en cours de demain, vous n'avez pas beaucoup voté hein, cette fois-ci. J'ai une égalité. Soit Vertice Unite, soit Twist and Turn. Donc, je pense que je prendrai les deux, s'il n'y a pas d'autres votes d'ici là pour trancher. Je pense que je prendrai les deux et j'avancerai sur les deux. Voilà. Et quand j'ai fini le Vertice Unite, je castonne le gilet Moloch, puisque ça fait partie des samples que je dois faire pour Laura. Voilà. Je vais commencer par le Twist and Turn, finir la section, ou alors le Twist and Turn, je le prendrai demain soir. On va faire comme ça, parce que, en fait, le Twist and Turn, je peux le prendre le soir. Du coup, la journée, je vais prendre Vertice Unite et Moloch, donc les samples. Et le soir, je prendrai le Twist and Turn, puisque c'est égalité entre les deux. Voilà, donc ce soir, demain, je termine le Vertice Unite. Ensuite, donc, oui, j'étais en train de chercher les dates du Nitich. Je sais pas sur quel d'autres patrons c'est ça. Ça doit être un patron que j'ai terminé du coup. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, mais je crois que c'est 1er novembre. Puisque j'avais dit que pour commencer la capuche Bombay, qu'il fallait que j'attende. Oui, voilà, donc c'est ça, c'est le 1er novembre. Puisque je vais devoir commencer la capuche Bombay. En fait, c'est le 31 à 22h. Mais à 22h, je castonne plus. Mais là, je crois que je vais castonner. Juste monter les mailles de la capuche. Parce qu'en novembre, je n'ai pas le droit de castonner. Et pour le Nitich, j'ai pas le droit de commencer le projet Flemme avant le match. Donc il faut que je castonne entre 22h le 31 et minuit le 1er. Voilà. Pour être dans les clous. Avec tous les cas et challenges. Donc voilà, lui il va dormir une bonne semaine. Ouais, une semaine presque et demie. Et j'ai hâte d'avoir le prochain indice pour voir si on double en scierie. Au niveau quantité de fil, il me reste ça pour le coloris principal et ça pour le contrastant. Je suis allée quasi au bout. Là, il m'en reste d'une autre pelote parce que les deux pelotes étaient séparées. Mais j'ai fini mon premier petit bout. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais prendre un écheveau au travail pour le bobiner parce que j'avance. Si je bobine pas, je peux pas castonner. Il me reste une semaine pour castonner tout ce que j'ai à castonner. Donc là, je vais commencer par castonner ce qui est en pelote ou ce que je peux castonner. Par exemple, ça, je peux commencer à castonner. Même si l'autre couleur n'est pas encore en pelote, c'est pas grave. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai castonné mon bonnet Super Nintendo. Alors, du coup, on monte des côtes. Alors, faut peut-être que je mette des petits bouchons, si je veux pas faire de bêtises, si j'en ai plus de sortie, évidemment. Bon, on va faire attention. Attention, attention. Donc, on monte des côtes de deux, torse, enfin semi-torse du coup. Dans le patron, elle dit torse, mais c'est pas torse, puisque les mailles en verre ne sont pas torse. Et
Donc on fait un certain nombre de rangs, de tours. Et ensuite, on vient faire le jacquard. Donc là, j'ai fait la première grille de jacquard. Et ensuite, j'ai commencé la deuxième, mais on voit encore pas trop ce que ça donne. On voit que j'ai mis le bleu dedans, le bleu et le gris pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, ce que ça donne. Donc la première grille, il y avait 4 tours. La deuxième, il y en a 14. Et je crois que je suis au troisième. Et la dernière, il y a 13 tours de jacquard. Donc encore 10, encore 24 tours de jacquard et le jacquard sera terminé. Donc ça, je pense faire ça aujourd'hui. Je guette l'heure, il est 9h moins 5 déjà. Ça passe trop vite. voilà, donc pour le bonnet Super Nintendo. Je sais pas ce que vous pensez des couleurs. Dites-moi, parce que moi le gris, mon opinion est... Voilà, je trouve que ça va pas, que ça fait trop sombre. Mais je sais que c'est parce qu'il y a du gris et que j'aime pas le gris. Voilà, tout simplement. J'espère qu'il n'y aura pas de trop grandes ombres de... ombres, zones de gris. Donc voilà pour le bonnet. J'espère que ça ira, je le trouve un peu large. On verra. Là en plus, je ne peux pas trop l'étaler parce que mon câble est plus petit que la circonférence du bonnet. Du coup, j'espère que ça va le faire. Voilà. Hop, je le range pour aller au travail. ensuite, eh bien, j'ai continué un tout petit peu. J'avance pas assez vite dessus. Mes chaussettes brioche d'amour. Hop, et je suis en train de faire. Alors, je sais pas si vous allez voir. Le talon en point mousse. Je pense que vous voyez le point mousse. Alors. Ah! Est-ce que vous voyez là le point mousse? Donc, je fais un talon. Oui, là, vous le voyez. C'est difficile à montrer hein, parce qu'il faut que je tienne, que je cache Patrick. Voilà, là vous voyez là. Donc c'est un talon à rang raccourci en point mousse. Donc on a arrêté la brioche sur l'envers de la chaussette. Et je fais donc du point mousse maintenant. Et ensuite on reprendra la brioche pour le pied. Voilà, donc j'espère finir le talon. Oh, ça n'avance pas, ça. Hein. C'est heureusement que c'est pour moi, que j'ai pas de pression, que, enfin, voilà, parce que j'y arrive pas à l'avancer. En même temps, si c'était pas pour moi, je l'avancerais, puisque les cales et tout, j'avance. Donc voilà, c'est juste que ça passe un peu en dernier. Et surtout que je fais attention, c'est le projet que je prends quand je garde Antoine. Du coup, forcément, je suis moins attentive sur le projet que sur Antoine. Du coup, bah, ça n'avance pas des masses. Et quand j'aurai passé le knit stitch, donc là, vendredi, du coup, à partir de samedi, là, pendant une semaine, on a une pause knit stitch. Je retricoterai avec d'autres priorités, je pense. Parce que là, j'essaye de faire du métrage à fond. Du coup, je tricote la déca, je tricote les cales, le projet flemme, etc. Tout ce qui compte, tout ce qui augmente les points du knit stitch, là, pour l'instant, je suis concentrée dessus. Et ça, c'est vrai que bah, tricoter du mohair, ça rapporte pas beaucoup de métrage. Du coup, ça passe un peu en dernier. Voilà, mais j'ai quand même bien avancé depuis la semaine dernière. Enfin, depuis que je l'ai repris. Est-ce que je l'avais commencé au début du match du knit stitch? Ouais, je crois que j'avais commencé à faire les côtes là. Du coup, oui, j'ai quand même.
j'ai quand même avancé. Voilà. Et puis donc, hier soir en rentrant, eh bien j'ai repris mon pull Blueberry. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, je pense qu'on est bien pour le corps. J'ai mesuré, mais je pense que ce soir, je commence les manches, du coup. Il faut que je regarde sur le patron s'il y a du jacquard sur celle-ci, en bas des manches. Je suis à un peu plus de 35, ouais, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc le corps est terminé. Alors, les manches. Donc corps. Alors j'ai une petite manip à faire. Je vous avais expliqué hein, pour mettre les mailles en attente. Donc ça, je ferai à la fin des manches quand je le prendrai pas dans le noir. Donc je castagne. D'accord. Alors il faut refaire les côtes comme ce que j'ai pas fait en bas du corps. Du coup, je vais pas le faire. Ou à moins que je le fasse. Je sais pas. Parce que là, ça roulotte quand même. Je pense que là, je vais faire un I-cord. Du coup, je vais pas faire les côtes non plus sur les manches. Je ferai un I-cord aussi. Bah, je pense que je peux attaquer les manches parce qu'il n'y a pas de jacquard, j'ai l'impression, aux manches. Ah, je cherche ma faille, elle est là. Ah bah on voit pas les manches. Non mais je pense que je vais. Bah du coup j'attaque les manches ce soir. Voilà. Ok, on n'a que des augmentations à gérer hein, pour la manche, puisque la manche se fait de bas en haut. Donc on castonne un nombre de mailles et on va venir augmenter régulièrement. Du coup, ça c'est assez simple à faire. C'est tous les 6 ronds autour du coup, ronde, jusqu'à ce que la manche mesure 40 cm. Ou un peu moins, si on a des plus petits bras. Voilà, donc je pense que bah, ce soir je castagne parce que le riz d'Ari, si je me souviens bien, le riz d'Ari, par contre, on a du jacquard, c'est pour ça que je n'avais pas commencé les manches tout de suite. Où es-tu, riz d'Ari? Ouais, il est là. Alors, il me faudrait. Voilà, donc le riz d'Ari, il y a cette petite partie en jacquard qui fait que je peux pas trop commencer le soir. Voilà, donc le riz d'Ari, bah, je le ferai. Je pense que j'emmènerai un jour au travail et je le commencerai au travail. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait hier, du coup.
Et bah voilà, il faut que je y aille, il est 9h05. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis désolée, c'est un tout petit vlog aujourd'hui, mais Ingrid m'a prévenu hier soir qu'elle avait un rendez-vous à 9h30, donc elle m'a demandé si je pouvais venir garder Antoine pour qu'elle ait pas à l'emmener. Donc bien sûr que je lui ai dit oui. Voilà. du coup, je sais pas si je rentre entre ce matin et l'heure à laquelle je commence normalement. Donc je vais tout prendre et puis on verra bien. Si je dois revenir un quart d'heure, 20 minutes, c'est embêtant. Mais bon, ça me fera un quart d'heure de plus de tricot. Parce que quand je suis là-bas et qu'il y a une grille, Antoine il est sur moi constamment en train de jouer. Hein. Il s'occupe pas si c'est mon heure de travail ou si je suis là juste pour comme ça. Il est avec moi, voilà. Donc voilà. Donc mission d'aujourd'hui, finir le bonnet. Je pense que c'est faisable. Et commencer au moins la manche du blueberry. Et puis bah avancer dans ma chaussette encore et toujours. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Salut. Bonne journée.